Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous montrer comment avoir ces trois objets gratuits dans un événement de l'UOBU. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur cet événement et je vais vous montrer comment avoir ces deux tenues. Mais dans cette vidéo je vais vous montrer comment avoir ces trois objets. Donc le premier objet, vous pouvez venir ici et juste cliquer dessus et vous allez avoir le badge. Ça prend un petit peu de temps puisque le jeu il bug un petit peu. Mais vous allez l'avoir. Mais sinon, ces deux derniers, c'est un petit peu plus spécial. Donc, pour avoir cet objet, il faut que vous soyez top 2000 dans le classement de celui qui a le plus de points. Donc, si vous voulez vraiment avoir cet objet, il faut que vous soyez top 2000. Et celui-là, c'est le même objet que lui, sauf qu'il brille un petit peu plus. Et pour avoir celui-là, il faut que vous soyez premier dans le classement. Donc, vous voyez le premier, lui. S'il va rester le premier jusqu'à la fin de l'événement, il va avoir cet objet-là. Juste pour ceux qui n'ont pas regardé ma première vidéo, pour avoir des points, il faut faire des mini-jeux. Donc, le meilleur mini-jeu pour faire des points rapidement, c'est celui du milieu. Parce que c'est le plus facile et celui qui donne le plus de points. Mais vous pouvez aussi faire ces deux-là. Et pour finir la vidéo, on va donner 10 Robux aléatoires à quelqu'un qui est dans notre groupe. Donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, de lâcher un maximum de pouces bleus et je vous dis à la prochaine. Bye!